Bonjour mes chers amis de la balance, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui mes chers amis pour voir un peu le côté sentimental, que vous soyez solo ou en couple. Le côté sentimental pour les deux dernières semaines du mois d'août, donc du 6 au 31. Nous allons voir l'énergie qui accompagne les amis balance. Sentimentalement. Hey, le silence. Les amis balance, garde le silence. Nous allons voir ça pourquoi. Silence, silence radio peut-être. Allez, les amis balance du 16 au 31, s'il vous plaît, quels sont les messages et pourquoi y a-t-il ce silence en énergie? Silence, les amis balance. Silence, s'il vous plaît, mes guides. Oui. Ici derrière, qu'est-ce que nous avons? Un cavalier d'épée. Certains amis balance restent en silence parce que ne disent pas vraiment ce qu'ils ont à dire. Donc avec le cavalier d'épée, on vous dit de vous exprimer maintenant, de dire qu'est-ce que vous avez à dire. Ok, sortir du silence. Ayez la force et le courage, mes chers amis, pour sortir de ce silence. N'importe le pourquoi, le comment. Il va falloir trouver ce courage pour sortir du silence, pour pouvoir vous imposer, vous exprimer. Vous pouvez avoir peut-être quelqu'un du signe du lion en face de vous, mais pas seulement. Nous avons aussi des vérités, des révélations, mais nous pouvons avoir aussi des nouveautés. Alors, est-ce que vous devez sortir d'un silence parce que c'est vous qui avez quelque chose à dire à votre autre, dans une relation hein, en tout cas? Est-ce que c'est vous qui avez une vérité à révéler? Est-ce que vous êtes dans le silence parce que vous espérez quelque chose de mieux? Après, adapter. Ok. J'ai un roi de coupe renversé, mes chers amis. Et le roi de coupe renversé, lui, nous parle de manipulation émotionnelle, en fait. Hein. Donc, pour quelqu'un, on peut parler d'abus. Alors, est-ce qu'il est possible que certains amis balance se sont enfermés dans le silence? Parce que la vérité que vous cachez à tout le monde, c'est que vous êtes dans une relation de soumission où vous n'avez rien à dire, où vous ne pouvez jamais rien dire. Et donc là, maintenant, vous voyez, il va falloir trouver la force et le courage pour sortir du silence, pour pouvoir justement avancer, pour aller peut-être de quelque chose. C'est peut-être un désir que vous avez aussi, hein, qu'on vous écoute, mais vous n'avez pas le courage de dire qu'est-ce qui ne va pas. Le valet de bâton. Et le valet de bâton parle encore de nouveautés. Est-ce qu'il y a des amis balance qui vont arriver à trouver le courage de sortir de ce silence pour se confier à quelqu'un? En tout cas, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être envie de sortir de cette relation ou tout simplement de sortir de ce fait que vous avez en face de vous. Peut-être quelqu'un qui ne vous laisse jamais rien dire, rien faire. Il y a peut-être de l'amour, mais vous voyez, c'est un peu ce que je ressens dans le sens que vous subissez, vous n'êtes pas vraiment vous-même. Vous êtes voué à une vie de silence où vous ne devez jamais vous plaindre. C'est plutôt ça. J'ai un 5 de deniers renversé. Et le 5 de deniers renversé, justement, c'est vouloir retrouver une stabilité. J'ai la tour renversée. Alors, la tour renversée, mes chers amis, on vous dit toujours que n'importe quel petit changement, tout petit qu'il soit, c'est toujours un calme après la tempête. Et c'est peut-être qu'est-ce que quelques amis balance à temps. Que ce calme, tout petit qu'il soit, revienne. Vous avez peut-être envie maintenant de sortir de ce silence. Jusque envie, je pense que c'est un espoir que vous avez. Parce que la carte du silence, c'est la numéro, je vais vous la montrer, 17. Et vous savez que la numéro 17, c'est l'étoile. Alors, il y a quelques amis balance qui espèrent un changement dans la relation. Pour la sauver, pour continuer à être avec votre autre, vous espérez un changement. Vous priez, vous souhaitez. Vous avez un rêve et vous espérez que ce rêve devient une réalité et que peut-être la personne se calme un peu, je ne sais pas, qu'elle vous donne un peu plus de liberté, qu'elle vous donne un peu plus la parole. Mais en tout cas, ce silence, ou vous le subissez, ou alors vous,
comment dire, vous l'accordez pour ne pas envenimer la situation. Peut-être qu'il y a des ambivalences qui savent qu'en face d'eux, ils ont quelqu'un qui est très irascible, susceptible, je ne sais pas, et que si vous en rajoutez, ça ne fait que créer plus de problèmes. Mais là, par contre, vraiment, on vous demande d'avoir la force, le courage pour pouvoir faire de ce rêve une réalité, hein, pour que cette calme revienne en vous exprimant, donc en sortant du silence. Ouais. Les amis balance, s'il vous plaît. Quels sont les ou le message? Les amis balance. Du 16 au 31, s'il vous plaît. Du 16 au 31, s'il vous plaît. Pour les amis balance, sentimental. Le silence. Y a-t-il encore des messages? Ok. Alors ici derrière, j'ai la carte de la culpabilité. Alors est-ce qu'on vous fait sentir coupable et donc on vous empêche ce silence, je sais pas, en vous disant tu ne comprends pas, tu n'as pas ton mot à dire. Ou alors peut-être qu'on vous fait des reproches. On veut que vous portiez cette culpabilité en vous faisant croire que c'est de votre faute. Ou alors c'est peut-être vous que voilà, vous avez décidé de vous mettre en mode silence parce que ben, vous vous sentez coupable. Peut-être que vous avez de la peine pour l'autre et peut-être même que vous y croyez vraiment que c'est de votre faute, voyez. La jalousie. Donc la mesquinerie, la méchanceté gratuite. Alors probablement des amis balance suivent, vivent ce type de relation, ce qui vous fait que vous vous êtes enfermé dans ce silence pour vous protéger. Vous avez peut-être peur de vous exprimer, ou alors tout simplement le fait de subir, on vous impose aussi de ne rien dire, donc ne pas dire aux autres que ça ne va pas. Donc on porte un masque peut-être dans le quotidien vis-à-vis de la famille, des amis. En tout cas, c'est une relation instable et ça dure déjà depuis un petit bout de temps. Mais mes chers amis, si vous arrivez à affronter ce silence, peut-être même à demander de l'aide, à parler, à l'exprimer, vous allez gagner. Bien sûr, peut-être que certains d'entre vous espèrent ce moment magique, hein, depuis un moment, ce rêve qui se réalise, cette prière qui soit exaucée depuis un moment, mais ça tarde à venir. Ça tarde à venir parce que probablement, vous savez, bien sûr, les miracles existent, mais souvent il faut quand même y collaborer, y contribuer. Si vous priez, c'est bien. Hein, si vous espérez à ce miracle et que vous gardez l'optimisme, que vous y croyez, c'est bien. Mais peut-être il faut donner un petit coup de pouce pour que ça aille un peu plus vite. En tout cas, ça va évoluer. Ça va évoluer. Pour l'instant, je n'ai qu'un message, mes chers amis. Et vous savez que je parle toujours pour le message principal qui doit arriver. Et je pense qu'il y a des amis balance qui ont besoin de sentir certaines choses. Que la situation va évoluer, mais que peut-être aussi il faut demander de l'aide si vous n'y arrivez pas. Il faut sortir du silence. Que ce soit avec la personne que vous avez en face de vous, que ce soit avec les autres, il va falloir sortir du silence maintenant. Tout ça pour que vous puissiez, en fait, être bien avec vous-même, hein. Les amis de balance, s'il vous plaît. Les amis de balance. Le message pour les amis de balance. Les amis de balance, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous pouvez être un homme. Ça peut être vous. Mais si vous êtes une femme, ça peut être la personne en face de vous. Pour pouvoir sortir de ce silence, peut-être avoir le courage de sortir de ce silence, il faut aller puiser au fond de vous, mes chers amis. Allez chercher au plus profond de vous. Comprenez bien tout ce qui vous fait mal, qu'est-ce que vous vivez. Épuisez en vous. Voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. C'est peut-être vous, parce que vous le cachez aux autres. Ou c'est peut-être vous vivez avec une personne qui, en tout cas, n'est pas sincère avec vous. Et donc, vous subissez, vous ne dites rien. Vous imposez peut-être le silence, mais c'est pas une relation saine. Il y a quelqu'un qui n'est pas sincère. On peut parler peut-être d'une relation qui dure comme ça déjà depuis un moment, hein. Ça, c'est la carte qui représente la stabilité, la sécurité, mais aussi la personne âgée d'un certain âge. Donc, si je veux associer ça à une personne mûre, c'est peut-être une situation qui dure déjà depuis longtemps, peut-être même depuis toujours.
Mais si vous voulez retrouver cette stabilité-là, mes chers amis, allez épuiser en vous. La solution, vous l'avez. Il va falloir juste, voyez, ouvrir la cage et prendre votre envol. La solution, vous l'avez. Ouais, la relation est très toxique. Il y a beaucoup de méchanceté. Donc, étudiez bien, de près et de loin, cette citation. Qu'est-ce que vous voulez? Et ouvrez la cage et prenez l'envol, mes chers amis. Il faut sortir de ce silence. Demandez de l'aide si vous n'y arrivez pas tout seul. Pas tout seul. Toute seule ou tout seul, hein. Ça peut être un homme, une femme, hein, qui vit cette situation, hein, bien sûr. Nous allons voir le côté spirituel, émotionnel pour les amis de balance. Les amis de balance, s'il vous plaît. Les amis de balance. Les amis de balance. J'en ai deux. Je vais les prendre. J'ai l'énergie créative. Pas cette énergie créative, c'est qu'il faut trouver la force, mes chers amis. Hein. Trouver la force pour pouvoir sortir de ce silence. La connexion aux autres, voyez. Connectez-vous aux autres. Exprimez-vous avec les autres. Entourez-vous de personnes. Ne vous enfermez pas dans ce silence avec l'isolement en plus. Donc soyez en connexion avec les autres. Demandez de l'aide. Il y a quelqu'un qui s'est isolé avec ce silence. Et dans ce silence. Donc ouvrez-vous aux autres et trouvez cette énergie créatrice qui vibre en vous pour pouvoir sortir du silence en demandant de l'aide ou en ayant le courage de le faire tout seul. Mais là, j'ai le sentiment que tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est très manipulateur, très mauvais. Donc surtout, ne vous mettez pas en danger. Demandez de l'aide. Faites tomber ce masque, si c'est vous qui le portez. Demandez de l'aide. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, mais vous pouvez peut-être compter aussi sur votre famille, vos amis. Donc, sortez du silence. Faites-vous aider. Connectez-vous aux autres pour qu'on puisse vous venir en aide si vous voulez sortir de cette situation. C'est le seul message que j'ai, mes chers amis. Vous savez que je ne vais pas chercher tous les messages, sauf s'ils arrivent. Et là, c'est le seul message qui m'arrive. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, mes chers amis, mais sortez de ce silence. Faites-vous aider. À très bientôt, mes chers amis Balance. Bye bye.